Donc, j'en étais où? Je galérais. Oui, alors je prends un indice, allez. Il doit y avoir autre chose à trouver au-dessous de cette boîte. Non, dessus, il a dit dessus. Ah, c'était ça! Ok, alors. Ok. J'en ai marre. Toujours courir. Alors. Non. Manivelle. Un anneau de métal. Ok. Non. Aha. La poignée est sortie de la cavité. Ah, je dois sûrement faire ça. Ah, d'accord, ok. Faut que ça finisse par un point en bas. Un truc comme ça, quoi. Yes. Ben, on voit quatre jetons. Ok. J'ai quatre jetons. Ok. Tac. Ok, j'ai un jeton. Ah, ça commence à mettre en route le balancier. Ah, non, le balancier a bougé. Deuxième jeton. Je regarde où est-ce que le plus simple, ça serait de l'envoyer. Yes. Clic. Ok, il se balance une fois. Après, troisième jeton, où est-ce que je vais le mettre? Tac. Ah oui. Semblerait que je sois obligé de refaire le même chemin à chaque fois. Yes.
Ok, ça se met à tourner. Doucement, mais ça tourne. Parce que le quatrième, il doit arriver de là. Tac, tac. Je réfléchis. Voilà. Ok. Yes. Oula. Alors. Je suppose qu'il faut mettre la manette là. Ok. Ça, ça tourne. Ah oui. Tac. Ok. C'est un bouton. Là, il n'y a rien. Il y a l'air d'avoir un truc, mais je peux pas y accéder. Ou je sais pas y accéder. Alors, il faut un point et une grande barre. Ok, un point, une grande barre. Ok, ça serait ça. Là, la grande barre. Ok, ici. Et... ça serait ça, la grande barre, le point, point. Tac, tac. Et là, trois petits points. Trois petits points. Ah, là. Ah non, trois petits points. Ouais, ça serait plus ça. Yes. Ok. Un engrenage. D'accord. Et ça, une sorte de cristal. Ok. Oui, non mais c'est bon. Je voulais faire reculer arrière en fait. Là, il y a l'air d'avoir trois barres. Donc les barres doivent sortir sûrement. Oui. On va sortir les barres. Ok. Alors. Ok, ça, ça fait tourner ça. Là, ça me paraît plus ou moins logique. Ah, un escalier. Ça, ça paraît moins logique, déjà. Mais bon. On va pas trop chercher à comprendre. Alors, je regarde, là, il y a une porte. Là, c'est l'escalier que je viens. Je l'ai vu, hein, le truc, mais je regarde avant, hein. Là, il y a les cloches. Bon. Oui. Ok, ça, ça tourne. Glang. Ah, ok.
C'est particulier qu'un cristal bloque une barre de métal. Mais bon. Vu la couleur du tableau... Ah. Que dois-je faire? D'accord. Je dois déplacer une lumière. Ok. Ok, c'était simple. Un cadran. D'accord. Merci. Au revoir. Un cadran. Un cadran. Je réfléchis. Faut que je regarde. Ok. D'après ce que je me souviens, ça ressemble à ça. Ok. Oh. D'accord. Ah ah. Une statue de ballerine. Je dois faire quoi? Non. OK. Alors, heureusement, je connaissais à peu près le déplacement des pièces, sinon j'aurais rien compris. Ok, là, je peux rien faire. Ok, c'est très mécanique, hein. Alors. Qu'est-ce qu'il faut faire avec ça? Ok. Oui. Pour l'instant, je vois pas trop de difficultés. Ah, ok, ça c'est ça. Oui, et donc? D'accord. Non, pas la ballerine. Ah, mais rends-moi ma poignée! Bon, bah tant pis, on aura plus la poignée. Là, il y a des billes. Ah, ok. Alors, il me faut un long. Long, point, long, point. Long, point, long, point, point, point. Ok. Il me faudrait par en bas. Point, long, point, point. Alors, point, long, point. Ok, c'est ça. Et le dernier, point, long, point, barre. Point, long, point, barre. Ok. Oui. Poignée avec une cavité. Oui, ça c'est pour la porte qui était à côté. Ok, ça y est, je viens de capter.
Ok, ça c'est la poignée. Après être monté, on descend maintenant. Ok, alors, je vois quoi? Une boîte. Ok, une boîte qui s'ouvre. Une clé à remonter. Il me semblait qu'il y avait une horloge. Alors. Tac, 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 tac. Ah. Ok. Ah. Vu que j'ai la deuxième danseuse déjà. Ok. Ah mince, c'était pas... Ok. Ok. Là, elle passe dans le rond là. Ah yes, ça y est. Là, elle passe dans le rond là. Une fois qu'elle a passé ça, clic. Et voilà, c'est bon. Et voilà, ils ont dansé. Elle a une pierre dans le dos. Ok. Merci. Donc on a fait la musique. Là, il va falloir faire un truc fort pour briser le cristal aussi. Là-bas, on n'a rien. Bon, bah, il n'y a plus que ça. Alors, d'après ce que je vois, rouge, 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 rouge. Ok, pas grand chose. Ah. Clic.
ça. Ok, j'ai fait sortir un truc. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc j'ai fait celui-là, j'ai fait celui-là. Ça c'est quoi? Ok, là il y a des pattes comme ça. C'est censé représenter quoi? Il manque peut-être des morceaux en fait. Donc il faudrait faire. Alors, 1, 2, 1, 2, 1, 2, tac, tac. Mince, je sais plus c'est lesquels. 2, 2, 2, tac, tac, ok. Non. 1, 2, 1, 2, 1, 2, tac, tac. Voilà. Ah, ben voilà. Je savais bien qu'il manquait un truc. Ok, ça peut être ça. Ça peut être ça. Voilà. Ok. Aïe. Un corbeau. Ok. Ça m'a ouvert la clé du corbeau. Mais ça me dit pas comment casser le cristal. Parce qu'attends, la clé du corbeau, elle est comme ça, ok. Ça, c'est une clé qui remonte. Bah là, je vois pas trop ce que je peux faire de plus en fait par rapport à ça. Ah, mais attends, la clé du corbeau, c'est ça? Ok. Ah. D'accord. Ah, je suis obligé d'aller au corbeau, c'est ça? T'es en train de me dire. Ok. On remonte. Bonjour. Et donc? Ah, ok. Et ça casse le cristal du bas. D'accord. C'est quand même bien fait parce que imaginez le corbeau, il était mort dans la cage. Bah, ça aurait été compliqué. Hop, on refait ça. Tac, tac, tac. Oui, on peut le monter.
Je cherche, hein. Ah voilà, comme ça. Mais ah voilà. J'ai l'impression que je suis en train de revenir à l'arrière. Ok, comme ça. Comme ça. Comme ça. Ah non, comme ça. Et celui-là, faudrait le... Non. Comme ça. Ah bah voilà. Yes. Les aiguilles. Je suppose que là, il faut le remonter. Minuit, clink. OK. Yes. Et ben voilà. On a fait la deuxième chapitre terminé. Vous avez pris le dessus sur les impitoyables mécanismes de la tour de l'horloge, tout en protégeant votre humanité. C'est assez impressionnant. Ces cloches qui sonnent annoncent votre progression, même si elle ne fut pas facile. Continuez. Ok. J'ai toujours un cube bizarre là. Que je sais pas quoi en faire. Donc je suis en train de me demander, est-ce que le cube, si je le remets, si je le replace, ouais. J'ai un cube, je sais pas trop à quoi il va me servir. Mais bon, tant qu'on l'a. Il y a aussi l'appareil là qu'on s'en est pas encore servi. Ça qu'on n'en est pas servi. J'ai pas de jetons. Donc il y a sûrement moi. Réfléchis. Là-bas, je suis en train de réfléchir. Est-ce que là-bas, il y avait quelque chose que on n'avait pas utilisé? Je regarde. Il y a l'horloge, ouais. Mais c'est tout, quoi. Il y a que l'horloge du côté là. Et là-bas, c'est des... il y a plusieurs machines. Ok. Je suppose que ça va être le troisième qui est là. Ouais. Comme ça, ça ouvre la porte qui est là. Non. C'est quoi?
Un appareil optique. Ok. Ah, ça doit être pour ça. Ok. Où est-ce qu'on est censé arriver? Alors. Ok, tac. C'est pas ça. Ah, mais j'avais pas fait attention pour celui du milieu, en fait. Mais parce que celle du tour, on peut pas la tourner. Là, on est d'accord. Voilà. Ça me paraît plus logique comme ça. Alors, j'ai toujours une petite boîte que je sais pas. Ok. Oh. Ça ressemble à une serre. Donc là, on va lire le journal déjà. Encore une épreuve révélée haut la main. Le temps est vraiment à notre portée. Je vous ai promis des réponses et vous les aurez. Toute âme est unique. Il en va de même du piège qui doit l'attraper. Un autel de croyance, un livre de réponses, une crypte de terreur. Pour As, sa boîte pleine de démons. Le savoir, le pouvoir, la vue au-delà de la vue. Un tissu de mensonges, tous ces appâts dans un piège. Attendez 2 secondes. Ah oui, c'est pas grave ça. Si vous avez échoué cette mission, cette maison sera devenue la vôtre. Or, vous avez réussi à en ressortir, comme tous les autres lieux. Je suis désormais certain que vous êtes la personne que je cherchais, celle qui trouvera le centre du labyrinthe, celle qui sortira libre de ce royaume, l'artisan. Ok. Je vois des briques. Je suis pas sûr que c'était ça que je devais faire. Casser le mur. Oui. Et donc? Ah. Donc je suppose que ça je le mets en face, ça je le mets en face. Ça comme ça. Bon, c'est pas forcément celui-là. Il y en a qu'un? Oui, il y en a qu'un. Ok. Alors, il faut sûrement une clé ou un truc du genre. L'appareil. Ah oui, je peux pas l'allumer tout de suite. Ok. Donc, il faut aller dans la pièce d'à côté. Ah, je vois un petit truc qui brille. Déjà. On va déjà commencer par mettre l'électricité. C'est la base. Alors, moins vers plus, plus vers moins. Comme ça. Plus vers moins. Alors, moins vers plus, moins vers plus, moins vers plus.
moins vers plus. Là. Ok. Si c'est par rapport à la carte, ça ressemble au moulin. Ah oui. Ok. Là, on suit le chemin. Ok. Ah, il y a encore un truc à musique. Le fermoir maintient le cadenas en place. D'accord. Alors, il y aura un numéro à appeler. Ok. Il y a un CD. Ah, 7 août. Mon sort est lié à un terrible paradoxe. Je dois piéger une âme de génie, mais pour que ce génie puisse se voir, cette âme doit sans doute voir le piège elle aussi. Le résultat est extrêmement incertain. Ils désirent ardemment la source du zéro, comme moi avant eux. Je sens leur désir. Il les aveuglera jusqu'à leur perte. Ok. Le truc là. Là, moi, je veux regarder ça déjà. Ah, ah, attends. J'ai vu que la flèche, elle était bizarre. Une sorte de cadran, mais il n'est pas allumé. D'accord. Ah, là, il faut sûrement 3 cristaux. Ok, ça faudra l'allumer. Ça ressemble. Ah. Ok. Je vois un cube, ok. Une croix, un rond. Non. Parce que c'est pas ça. Je me souviens que dans le livre, il y avait une sphère en fait. C'était une sphère qui était dans le livre. Ok. Ça semble allumé maintenant. Non. Ah, il n'est pas allumé, d'accord. Donc il faudra des cristaux en plus. Là, j'avais vu un truc. Ah, mais c'est ça la petite boîte. La fente. Mais je sais pas, ça va me donner quoi en fait.